Le mardi 6 février, le prince Harry a fait diligence pour se rendre au Royaume-Uni dès l'annonce du cancer de son père, Charles III. Cependant, le fils cadet du roi serait encline à prendre une décision de portée encore plus significative dans les mois à venir, non seulement pour soutenir son père, mais également son frère. Le prince William. Son retour à Londres a été approuvé par Meghan Markle. Le duc du Sussex a promptement entrepris de prendre l'avion pour se rendre au Royaume-Uni, où il a débarqué ce mardi afin de rejoindre son père à Clarence House. La veille, Charles III avait annoncé être confronté à un cancer, sans préciser le type. Selon The Mirror, qui a diffusé une vidéo du prince à son arrivée dans la capitale britannique, les yeux d'Harry semblaient gonflés, probablement dû au manque de sommeil. Tandis que son langage corporel suggérait à la fois une forme et une vigilance, mais également une certaine anxiété. Un changement de cap est perceptible. Une réconciliation semble envisageable. Harry est disposé à entamer un processus de réconciliation avec son frère. Il envisage également d'élaborer un programme pour passer davantage de temps en Angleterre et être physiquement présent pour son père, confie une autre source. Le retour du prince pour soutenir son père a été approuvé par Meghan Markle. Meghan lui a accordé sa bénédiction, consciente que la famille occupe une place primordiale dans sa vie. Nous ne sommes qu'au début de ce processus, mais ils réfléchissent à la manière de s'organiser pour y parvenir. Bien que la vie d'Harry se déroule aux États-Unis aux côtés de sa femme et de ses enfants, précise ce proche. Harry et William ont toujours été présents l'un pour l'autre dans les moments difficiles, et ils semblent maintenant prêts à reconstruire leur relation. L'affection fraternelle n'a jamais vraiment disparu, même si cela prendra du temps.